c'est parti pour l'Argentera. D'Isola 2000. Allez. Tu ressembles un peu à une mule, man. Hein. À une mule. Un peu, ouais, avec tous tes trucs qui pendent, là. On dirait un présentoir humain, quoi. Allez, checkpoint numéro 1, la baisse du Druos. Cool, on a pu monter à ski jusqu'ici. Ça va, man? Ouais. Oh, il y a de l'air là, on est bien. C'est du coup, c'est ça le vallon de terre rouge, c'est tout ce truc là. Bon, ça va être la surprise là, le passage du col. On va voir comment c'est derrière. On va avoir une petite idée de jusque là où on peut skier. Ah, c'est pas pire. On va voir un peu les couloirs, tout ça. Ah ouais. C'est même très très bon. Hein. Et nous, on va à l'Argentera, là, là-bas. Là-haut. C'est loin. Hein. Bon, on profite, ce sera nos seuls virages de la journée. Du coup, là, on a la baisse du Druos et on va redescendre jusqu'à Terme di Valdieri. C'est 1300 mètres plus bas. Voilà, qu'il faudra remonter après. Ah, la neige est agréable à skier. Hein. On a essayé d'entourlouper pour éviter de passer en bas là du lac. Et ça fait. C'est cool. Bon alors ça c'est ce qu'on appelle un méga escargot. Je crois que j'en ai jamais vu des aussi gros de ma vie. Ça part d'une micro-boulette. Oh le ratraque quoi. Putain j'ai envie de monter dessus tellement il est gros. Ah. Allez bon on va go. J'ai l'impression que quand on skie tous les deux on est hyper fort pour se mettre dans des galères comme ça. Ouais. Alors qu'à la base ça devrait pas être comme ça quoi. Acrobranche hein. Voilà, on va mettre les baskets, on va descendre par le sentier. On passe le refuge Valasco, paf. On va tout en bas de cette vallée. Et on remonte. Mais on n'est pas arrivé hein. On n'est pas arrivé. Ah dans cette sortie, il y a toutes les disciplines au moins. Hein. Allez, on arrive au refuge Valasco. Deuxième checkpoint. Voilà. Bon, on n'est pas en avance. Mais on a encore un peu de temps, quoi. Devant nous. Il doit nous rester 4-5 heures avant d'arriver au bivouac. Allez, ça y est, on est de retour à la civilisation. Là, c'est l'ambiance Shining. Il n'y a personne. Tout le village est fantôme. Allez! On attaque la montée finale. Il est 17h20 et il nous reste 1000 mètres de dénivelé pour le bivouac. Et pour aujourd'hui, ce sera notre terminus. La neige fait son retour progressivement. Hein. Je commence à être bien entamé là. Puis j'ai une machine Indus là devant.
pas évident de le suivre quoi. Moi je tire la langue hein. Et lui il le voit pas. Allez bon, on remet les pots et ça repart. Allez, ça repart. Une petite heure. Ah, c'est sûr, c'est la plus longue approche que j'ai jamais fait pour ce qu'il y a un couloir comme ça, quoi. Bien joué, man. Ah. Allez, bah, y a plus qu'à creuser. Il y a la pelle qui est fournie. Allez, il est 5h bientôt. On va y aller. Toc. Bon, ça y est. On est dans le couloir. Nico qui est juste là. Pour l'instant c'est pas encore béton quoi la neige hein. On est encore à ski. Allez c'est parti. On a mis les crampons. La neige est un peu meilleure là. Un peu plus consistante. Allez 700 mètres. Ça va man? Ouais. Bon. Ouais, c'est de la glace, ouais. Bon, c'est pas pire pour l'instant, hein. Ça va. Franchement. Je m'attendais au pire. Ouais, moi aussi. La neige est vraiment top pour monter. Il n'y a même pas besoin de pioler. C'est pas hyper raide. Ça se fait hyper bien avec les bâtons. Voilà, c'est cool. On a le ciel bleu qui apparaît. Ça change bien l'ambiance. Ça devient sympathique. Par contre, derrière, autre ambiance. Nuages qui remontent. Bon, il suffit de regarder devant. Il suffit de regarder devant et d'aller plus vite que les nuages derrière. Tu fais gaffe, il y a une sorte de petit trimée ici. Top. Allez, encore une petite heure et on devrait être à la brèche. Il y a le vent qui est arrivé. C'est pas mal, ça dégage un peu les nuages. Et là, on a beau ciel bleu. On voit qu'il y a de l'air. Hein. Les nuages, là, ils avoisent. Hein. Wow, putain. Allez, courage, man. 50 mètres. Le vidéo qui est là, le seul qui sort d'un mer de nuages. Tout dans la gueule.
Elle est vraiment pas évidente à skier. C'est un style de carton quoi, avec de la neige un peu poudre humidifiée en dessous quoi. Dans la réception du virage, ça déséquilibre pas mal. C'est assez technique. C'est un bon entraînement quoi. Yaman! Très bien joué. On peut enfin voir la gueule qu'il a, regarde. Voilà.
On le découvre là. Putain, il est joli hein. Ouais, c'est sexy hein. Petit border cross. Ah. Et chute. Joli. Ça c'est la serrure. Haute sécurité. Jolie matinée. Et mais la journée n'est pas finie. Elle ne fait que commencer hein. La journée ne fait que commencer, ouais. Allez, c'est le retour. On commence par 1000 mètres de descente en basket. On est de retour hein, au petit village Terma di Baldieri, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, et ben là il nous reste 1300 mètres de montée pour arriver au col et repasser en France. Allez, ça y est, on arrive au refuge de Lascaux. Il n'est pas encore tout à fait 14h, du coup on est dans les temps, c'est pas mal. On va faire une petite pause, se charger un peu. Et ensuite, il faut qu'on monte là. On porte encore les skis jusque là. Et puis ensuite de là, il nous restera 500 mètres de peau pour rejoindre le col. Allez, 500-600 mètres de dénive. On a remis les skis. Ça fait du bien, ça allège le dos. Allez, les derniers mètres pour Nico. Et moi je viens d'arriver là au col. C'est là que s'achève le dénif positif. On est carrément cramé là, je pense autant l'un que l'autre. Voilà, bon, il nous reste plus que 600 mètres de descente, donc ça c'est cool. Bon alors man, est-ce que ça va le coup de faire 50 bornes et 4000 mètres de dénivelé pour un couloir de 700 mètres? Bien sûr. Et bien sûr que ça valait le coup. Ça valait le coup, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas grand sens, mais ça valait carrément le coup, ouais. 19h. Restez une super sortie.